Allez, c'est parti pour Q-Terrier. Le village est toujours vivant. Entendu deux, tu dis? Oui, monseigneur. Bon, sorcellerie et collusion avec les voix. Mais jamais on a. Eh oui, vous ne jamais rien. Qu'est-ce que ces foutus chasseurs de sorcières font ici? Ils n'ont pas chevauché depuis Novigrad pour pendre de pécor quand même. J'en sais rien, monseigneur. Vous savez où ils sont allés ensuite? Ah, Gérald, content de vous voir. J'ai du mal à trouver du sens aux jérémiades de ces bouseux. Quelques coups de fouet s'imposent. Alors, à couche! Où sont-ils allés? Vers le village du Marais, monseigneur. La donzelle avec eux, elle demandait sans arrêt après sa mère. Une donzelle? Gérald, nous devons nous y rendre sur le champ. Ça demande préparation. Non, non, c'est bon, je suis prêt. Entendu. Je sonne le rappel. Soldats, nous avons un marais à traverser et des maudites moires à traquer. Tiens. Je cherche un chasseur pour déloger et exterminer les monstres qui sèment la pagaille dans la région pendant la durée nécessaire à la réalisation du contrat. Le sorceleur sera logé et nourri par l'échevin, frais déduits de la rémunération finale. Message de l'échevin de Valtiel. Hein? Bon, d'accord. Peau et céramique, fabrication et vente. Peau et tasse vase. Arclique modelé et cuit, tout réalisé avec l'argile le plus pur de méandre. Que vous aimiez les objets décorés ou unis, tous raviront vos yeux comme vos crémières, comme une crémière et résisteront à toutes les épreuves. Anselme. Fourreur cherche travail. Fourreur avec 20 ans d'expérience. Accepte petits et grands travaux de réparation ou de création de vêtements, fiabilité et ponctualité garantie, enlèvement des matières brutes et livraison des produits finis avec le sourire. Bram. Ça me dit quelque chose ça, Bram. Travaux de vannerie, objets artisanaux en osier et en boulon, paniers, tapis, etc. Nous utilisons l'osier blanc est teinté avec ou sans écorce sur demande. Nous pouvons aussi fabriquer des mobiliers, des balais ou d'autres objets ou d'autres objets du quotidien pour des récipients bien sûr. Tarifs négociables, récolte acceptée avec joie. Marty et ses filles. Matry et ses filles. Chien à offrir, je donne mon brave Roger à toute personne prêt à bien s'en occuper. Et me promet de ne pas le manger. Bon, ça j'ai déjà lu. Échange tapis, Sintra contre nourriture. Échange 3 tapis, richement. Ah oui, ouais, la fille est morte. J'ai déjà lu. Attends, les mecs ils sont venus dans le village et ils ont pendu des mecs quoi. Les chasseurs de sorcières sont venus dans le village et ils ont pendu deux types comme des cons. Je me souviens plus, ils étaient morts à ce moment-là. Parce que le cheval qui était possédé par l'âme de la druidesse, qui n'est pas humaine,
enfin qui ne l'est peut-être pas. Je saurai jamais ce qu'est cette chose. Mais il y a de fortes chances que je revienne sur mes pas et que je modifie mon choix. Mais ça, je vais pas l'enregistrer. Enfin, si, je vais enregistrer juste la partie où je modifie mon choix. Mais après, je vais m'arrêter là, quoi. Je verrai ça plus tard. Attends, il y a plus de... Attends, mais il y a quand même eu des gens qui se sont fait tuer, finalement. Il est où, le mec, là? Non, je vois pas. Allez, je me casse. Attends, c'est quoi cette histoire de Valtiel? Contrat de chasseur. C'est un contrat? Le Soulard d'Oxenfurt. Parler à l'officier, je sais pas quoi. La bête du bois d'Oxenfurt. Trace mystérieuse. La bête. Frère disparu, ouais. Mort de méandre. Bon, bah, je vois pas. Un problème? Faites appel à Gérald de Rue. Foutu marais. Ces miasmes pourrissent la cervelle des paysans. Des moires, on croit rêver. Où vont-ils chercher tout ça? Les moires existent. Vous le saurez bien assez tôt. Bon, voyons. Sûrement quelques vieilles toupies qui ont ramolli la cervelle de ces gueux. Anna aura accepté de s'occuper d'elle par bonté d'âme. Elle a toujours eu le cœur sur la main, ça oui. Oui. Attends. Je vais sauvegarder. Oh putain, mais on a vraiment pas de place, hein. C'est pas beaucoup tout ça. La piste de... Affaire de famille... Ah, et puis merde. Putain de merde! Faites-lui chier! Allez les gars, on avance. Il n'y a pas de course. On
ces saletés qui commandent. Bien sûr qu'il se chie dessus, ouais. Encore. Ah putain. Ok, d'accord. Putain, elle est où la salope? Tu croyais m'avoir? Sorceleur, que faites-vous ici? On verra ça plus tard. Sorceleur, vous avez changé d'avis? Combien père vous paie-t-il? Vous n'avez rien à craindre. Vos nouveaux amis vous accompagnent. Je suis sans crainte car le feu éternel me protège. Vous n'avez rien à craindre de moi. Tamara, ma fille chérie. Enfin je te retrouve. Viens, laisse-moi t'embrasser. Ne m'approche pas. Je suis venue pour mère. Contrairement à toi, je refuse de la voir croupir dans ce marais. Et que diable crois-tu que je fasse ici? Je suis venu la ramener à la maison. Oh, il n'en est pas question. Tu ne la toucheras pas. Plus jamais. J'y veillerai. Je comprends que tu m'en veuilles. Je n'étais ni un père, ni un mari idéal, j'en suis conscient. Mais j'ai changé. Demande aux autres. Gérald, expliquez-lui. Votre père tient à retrouver sa femme, votre mère. Il y tient vraiment. Vous êtes bien payé pour jouer les bénis, oui. En vérité, je vous le dis, ire et véhémence ne mènent qu'à la déchéance. Qui c'est celui-là, bordel? Et vous, qui êtes-vous pour parler si crûment? Cet homme est mon commandant. Et cela ne regarde nullement les pourceaux ivrognes. Tamara, tu es de leur bord? Pour qu'ils torturent et pendent ton propre père, peut-être? Tu n'es pas mon père, et je me moque bien de ton sort. Je vous rappelle que nous sommes venus pour une raison précise. Sorceleur, nous aiderez-vous? C'est pour cela que je suis ici. J'ai perdu 5 hommes, et je ne sais pas trop ce qui nous attend dans ce lieu maudit. Hâtons-nous, les moires peuvent revenir à tout moment. Comment savez-vous qu'elles ne sont pas déjà là? Parce que nous sommes encore vivants. Fouillez le village.
Non. Par ici! J'ai bien compté. Hé! Reviens là! Petit pain d'épices. Fraîchement sorti du four. Mère. Oh! Voilà. Propre comme un sou neuf. Allez-y, punissez-moi. Il est trop petit. Je l'ai grignoté pour voir s'il était ferme. Mais pitié, il est tout frais. Oh, mère. Ayez pitié. Pourtant, j'ai prié, supplié. Mère, c'est moi. Tu me reconnais? Que lui est-il arrivé? J'ai dit que je le ferais. Donnez-le-moi. Je vais le récurer, de fond en comble. Mère! Quelque chose approche. Tenez-vous prêts. D'accord, cette fois-ci, ils l'ont pas transformé. Des loups, peut-être. Ça ne ressemblait pas à des... Parce que ce n'en était pas. Tenez-vous prêts. C'est un vestige. J'ai de l'huile contre les vestiges, déjà. Ouais. Putain, mon arme est bousillée. J'aurais dû la réparer. Putain, je suis déjà à 177. Putain, j'ai rien pour réparer mon arme. Et merde. C'est pas les vestiges là pour l'instant. Tu vas gâcher notre festin. D'accord, super. Tu vas gâcher notre festin. On va voir ce que tu peux encaisser. Tu finiras en poteau. Putain, le vestige, il est là.
Ah putain. Ah ouais, carrément. Un délice. Vas-y, laisse tomber. Tu pues la trouille. Tu vas gâcher notre festin. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Muscle, tendon, graisse. Délice. Tu tues la trouille. Tu vas gâcher ton destin. Tu finiras en pot-au-feu. Putain. Fort à un filon. Les Moires savent qu'on approche et ont envoyé la bête chercher Anna. Ces satanées sorcières, jusqu'où iront-elles? Regardez ce qu'elles lui ont fait. N'est-ce pas suffisant? C'en est assez. Je l'emmène loin d'ici. C'est ma femme. Elle m'accompagne à la maison. Tu es la bienvenue si tu le souhaites. Ne la touche pas. Nous partons sur le champ. Elle est malade, affaiblie. Où l'emmener dans cet état? Oxenfurt, c'est signé son arrêt de mort. Je sais prendre soin de ma mère. Ce n'est pas une poupée que l'on se passe de main en main. Laissons-la décider. Des galettes pour le dîner. Des bonnes galettes debout. Pour l'heure, elle est incapable de prendre une décision. C'est certainement l'œuvre d'un maléfice. Bon, aidez-la, sorceleur. De grâce. Maléfice ma bite, ouais. Elle a complètement pété un câble, c'est tout. Avant toute chose, il faut l'éloigner d'ici. Les Moires savent que nous sommes venus la chercher. Et elles peuvent envoyer bien pire qu'un fielon à nos trousses. Je n'irai nulle part avant d'avoir entendu que vous pouvez l'aider. Brisez le maléfice. Je crains que ce ne soit pas un maléfice. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a beaucoup souffert. Une fausse couche, l'enlèvement par un fielon, puis la vie au village des Moires à s'occuper d'enfants qui aujourd'hui ne sont plus là. Ça l'a fortement marquée. Personne n'aurait pu supporter. Alors c'est sans espoir? Vous n'y pouvez rien? Elle va rester comme ça? Je suis désolé. Je connais un ermite, un sage au talent de guérisseur. Je l'ai rencontré il y a quelque temps. Il vit dans les montagnes bleues. Je vais l'y conduire. Ah, on a un peu plus de... Dans l'autre version, elle meurt, hein. Alors que là, on a un peu plus de choix. Ça peut aller un petit peu plus loin, là, dans cette version-là. L'autre version, elle se transforme en monstre, ensuite elle redevient comme avant, et elle redevient humaine, et ensuite elle meurt. Voilà. Là, on cherche un peu plus à savoir ce qu'on peut faire. Ce qui n'est pas plus mal. Ça s'approfondit un petit peu plus. Ça n'a pas de sens. Je sais pas quoi lui dire. Je sais pas pourquoi ça n'a pas de sens. Inutile. Je doute qu'un guérisseur soit en mesure de l'aider. Ou quiconque d'ailleurs. Je dois tenter quelque chose. Je t'accompagne. Hélas, c'est impossible. Pourquoi? Votre engagement auprès du feu éternel s'accompagne de devoirs. Quand nous en aurons terminé à Velen, nous repartirons pour Oxenfurt. Vous aviez promis de sauver ma mère. Et j'ai tenu parole. Votre père va s'occuper d'elle. Lui
S'occuper d'elle? Mais enfin, vous savez ce qu'il lui a fait? Il affirme avoir changé et ses yeux trahissent de profonds regrets. Il prendra soin d'elle. Votre nouvelle vie vous appelle ailleurs. Vos seuls devoirs sont envers le feu éternel à présent. N'aie crainte. Tout se passera bien. Je ne toucherai plus à l'alcool. Je trouverai l'ermite. Quand elle sera de nouveau elle-même, nous viendrons à toi. Promets-le. Tu as ma parole, mon enfant. Les sorceleurs sont formés pour tuer les monstres. Peu importe qui a placé la vie. Tout ce qui compte, c'est la prime. Un sorceleur n'a pas de scrupules. Sa conscience n'entre pas en ligne de compte. Il agit, ramasse la bourse jetée à ses pieds, puis reprend sa route. Les gens n'attendent pas d'un sorceleur qu'il les sauve d'eux-mêmes. What? Merci à vous, sorceleur. Malgré tout. Puisse le feu éternel vous guider et vous protéger. Adieu. Vous avez eu raison de laisser votre père l'emmener. Je n'en suis pas si sûre. Nous ne pouvions rien de plus pour elle. Pas plus que le sorceleur. S'il existe un remède, seul un érudit le connaîtra. Vous avez peut-être raison. Messieurs, la journée a été éprouvante. Le combat a été rude et nous sommes tous fous. Nous allons. Oui, chef. D'accord. Accordez-moi un moment. J'aimerais rester un peu seul. Sorceleur. J'en ai marre. Sorceleur. Cheveux blancs. Je sais toujours pas quoi faire. C'est toujours pas ce qui est le mieux. En fait, y a rien de mieux en fait, c'est juste différent. Y a pas de. Par contre, j'aime pas trop ce qu'il a dit. Hein. Sorceleur n'a aucun scrupule, il a juste tué des monstres et tout et tout. J'aime pas trop ça. C'est pas du tout... C'est pas ça, non. C'est... Le feu éternel consumera. J'aime pas trop ce qu'il a dit, hein, par contre. Suivez le baron. Donc
Prince Gérald, il remplit sa part du marché, retrouva la femme et la fille du baron. Le seigneur maître de Perchefreux mit fin au suspense et termina son récit et raconta ainsi. Bon, ok. Le bûcher de Novigrad. Voir ce qui se passe à Cuterrier. Est-ce qu'il reste toujours des gens Vous avez pas mieux à faire que de fourrer votre nez par ici ? J'ai déjà rencontré vos dames, même si pour ces monstres, le nom de Moire est plus approprié. Pourquoi vous dites ça ? Il suffit de les regarder, ce sont des monstres habillés en femmes. Le Fistec doit vous bouffer le cerveau à vous autres gens de la ville. Je les ai jamais vus, les dames, pour sûr. Mais il paraît qu'ils sont de vraies beautés. J'ai inspecté la colline d'Olante. Je pensais pas vous revoir. Vous avez trouvé quelque chose ? Vos dames de la forêt sont trois sœurs sanguinaires. Mensonge ! Calomnie ! Vous allez attirer leur colère sur nous à dire des choses pareilles. Pourquoi faites-vous confiance à des femmes que vous n'avez jamais vues ? Avant que le mal prenne racine sur la colline, les dames nous avaient toujours aidés. Nos bébés étaient sains. Et une fois par an, elle nous offrait une grande marmite de viande bouillie. Une fois par an, c'est tout ? Une fois leur festin terminé, les dames de la forêt nous font grâce de leur reste. Depuis le début, les moires vous mentent et vous manipulent. On vous a raconté des mensonges, sorceleur. Des mensonges bien cruels. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Je voudrais bien savoir qui a planté une haine pareille dans votre cœur. Pourquoi vous lui faites confiance alors que vous refusez de me croire ? Vous servez ces meurtrières depuis des années. Vous avez entrepris de détruire la forêt, d'abattre tous les arbres de la colline. Oui, je peux pas dire le contraire. Les dames l'avaient demandé, et on a échoué. S'il y a vraiment une âme torturée qui réclame justice sous cette colline, on l'écoutera. Mais si vous voulez mon avis, c'est du sang qu'elle veut, pas la justice. N'allez pas me sermonner avec des histoires de crimes et de châtiments. Moi, ce que je vois, c'est que si quelqu'un veut nous faire du mal, on se laissera pas faire. Celles que vous appelez dames de la forêt, d'autres les appellent les moires. Les fous et les ingrats, oui. Les dames de la forêt veillent sur ces terres depuis toujours. Comment ça ? Elles chassent les esprits malins. Il y a une centaine d'années de ça, elles ont sauvé Vélène en empêchant des loups-garous de dévorer nos troupeaux.
Portez-vous bien. Au revoir. Là, j'avoue, je suis... Des fois, ça peut m'arriver que je fasse un choix et que y a pas de souci, je reviens pas sur ce choix. Mais là, j'avoue, j'hésite. Franchement, j'hésite. Je sais pas quoi choisir. J'ai envie de revenir en arrière et recommencer. Je sais absolument pas quoi choisir. De toute façon, une chose est sûre, si je sauve la... Si je sauve l'esprit... l'esprit qui était dans l'âme de la qui est dans le cœur de l'arbre, un cœur chelou, mais bon voilà, et ben tous ces gens là ils crèvent, bon par contre les enfants ont disparu, est-ce qu'ils ont été vraiment sauvés, aucune confirmation, mais ils ont disparu. Et puis l'autre elle meurt et le baron il meurt. En fait, il y a beaucoup de gens qui meurent. Là, il y a moins de gens qui meurent, là. Alors que dans l'autre, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui meurent. Donc, je sais pas. Ça fait vraiment moins de gens qui meurent. Ça m'énerve. C'est par exemple dans The Witcher 1, à un moment donné, il faut sauver la sorcière. Soit tu la laisses tomber, soit tu la sauves. Bon, y a pas photo, tu la sauves direct. Tu vas pas chercher à comprendre. Par contre, là... Putain, là, je sais pas, franchement. Là, j'avoue, ce choix, il est dur. Hein. Là, c'est un choix compliqué, mon gars. Il est compliqué, le choix. Putain, je sais pas quoi faire. Je vais retourner à Perchefreux. Tiens, il y a des nouvelles, une nouvelle quête qui vient d'apparaître. Gentiment, sinon... Non. Pitié. On n'a plus rien. Oh, messire, aidez-nous. Reste en dehors de ça, toi. Laissez-les tranquilles. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je refuse de vous regarder voler, violer et tuer. En voilà une délicate. T'as qu'à regarder ailleurs. Encore là? Saisissez-le. Voilà. Tu plus la peur. Prenez-le à revers. Merde. Putain de merde. Finissons-en. Il y a aussi un viol.
Enfin, un mec qui s'apprête à commettre un viol. Ou je crois qu'il le fait, je sais plus. Les champignons vont pousser. Il y aura de quoi faire quoi. Mais épargnez-la. Pitié. Ta sale gueule. Boucle-la si tu veux qu'on en finisse rapidement. Pas moyen de se concentrer. Soyez tous maudits. Je t'ai dit de la boucler. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux être le prochain à déguster? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ma fille, messire. Aidez-nous. Mes gars ont besoin d'une distraction de temps en temps. Sans quoi ils sont à cran. Arrêtez ça. Immédiatement. Je savais que ça allait mal finir. Saisissez-le. Merde! Régénérer, moi. D'accord, ok. Après ce que vous avez fait pour nous, son amitié vous est acquise. Jamais. Passez dans son dos. Merci, messieurs. Merci. Maître Sorceleur, il y a un cimetière elfe dans les grottes près de Aubreuil, et l'endroit est infesté de monstres. Merde, je vais être rempli là. Ouais. En quoi puis-je vous aider? Je jetterai... Elle est un peu naze cette arme. C'est quoi ça?
Au revoir. Un petit coup d'œil à nos articles. Montrez-moi ce que... Adieu. Au revoir. Bonus or. Bonus d'expérience en tuant les humains et les non-humains. Sans de chance de démembrement. Ah, sorceleur. Bien le bonjour. Le baron n'est pas là, il est parti chercher un guérisseur. Pour sa dame, bien sûr. Je suis au courant. Vous avez vu ce qui se passe dehors? Comment ça? Le baron m'a confié le commandement. J'ai dit au gars de remettre de l'ordre. Le nouvel ordre. Il massacre les villageois et pille tout ce qu'il trouve. C'est ça, le nouvel ordre. Et j'en ai rien à carrer, que ça vous plaise pas. Oh, quel bruit. C'est ça, le nouvel ordre? Il n'y a rien pour toi, ici. La pluie fait pas rouiller vos épées? Quelle sale tronche! Pitié.
Je vous en supplie. La pluie fait pas rouiller vos épées? Pour combattre le mal par le mal. T'aurais pas de la vodka? Je sens comme une odeur de charogne nilfgaardienne. Tu veux quoi, l'albinos? Pas de la vodka? Hé, hey, Grison, t'as la tranche de quelqu'un qui s'est aussi cuit hier soir. Ta sale gueule de craie, ça dérange pas les gens? Les enfants, rentrez! Friction contre les douleurs, etc. Ma fille a des mains fortes et souples. En plus d'un homme ou d'une femme souffrant de tours de rein et d'autres douleurs, vos dos sont répartis délivrés de leur mal après être venu la voir. Si vous avez le dos rompu pour votre labeur, par votre labeur dans les champs, venez trouver le soulagement à notre cabane. Ali, Bess, les propositions lubriques seraient une perte de temps. Pour vous comme pour nous. Ah, oh, dommage. Quoi, champignon? Il y a une talisse au fond des bois où un champignon pousse par centaines. En échange d'une bonne récompense, je peux vous montrer le chemin. Vous n'entendrez plus vos enfants se plaindre d'avoir faim. Sophie. Répartition du chaume. J'ai le tour de main et le matériel pour réparer les toitures. Des toitures. Seul un sot négligerait l'entretien de sa propre cabane. À Aubreuil, quelques types de ce genre ont refusé mes services. Leur cabane a fini en cendres. Carrément. Le feu devait être un signe du destin pour leur rappeler qu'il ne faut pas résigner sur ce genre de choses. Je vois pas le rapport avec la toiture et le feu. Et le fait que leur baraque ait pris feu. Alors pensez-y bien, braves gens. Devineresse honnête et réellement douée. J'ai de nombreuses années derrière moi et chacune d'elles m'a apporté son lot d'épreuves. En échange, les dieux m'ont accordé le don de voyance. Il me suffit de prendre la main, de prendre une main et de l'observer pour avoir une vision me montrant ce qui attend son propriétaire et tout ce qu'il touchera avec cette main. Certains voient en ce don de la sorcellerie quelque chose de surnaturel, mais ce n'est pas différent de ce qui nage ou joue du violon avec talent, alors que d'autres flottent avec peine ou nous cassent les oreilles. Si vous n'avez pas peur de savoir ce que l'avenir vous réserve, venez voir la vieille Rach. Flagellation. Pour les punir de ne pas avoir accompli leur devoir féodaux, les personnes suivantes ont reçu chacune 100 coups de fouet. Georges de Sten, Brotos, Brotus de le Vieux et Mussy Alain. N'oubliez pas que la main que vous nourrit peut aussi punir les plus rétifs d'entre vous. Portée de chiot. Notre chienne a mis bas une nouvelle portée de chiot. 5 en tout.
Ils sont petits et frêles, mais il y a de quoi faire un ragoût. Je les vends quelques couronnes par tête, ou je les échange contre d'autres aliments. Martha. Oh non, laisse tomber, je vais continuer. Je viens d'envoyer le grand-père chercher du bois sec. Laisse tomber, je vais continuer comme ça, rien à foutre. J'ai la flemme de tout recommencer. Tant pis. Une bolée de cidre ? Allez. Montrez-moi ce que vous... Au revoir. Je dois avoir éclaté. En avant. Ralentissons l'allure.
C'est tout ce que tu sais faire, saleté. On y va. Encore? C'est quoi encore? Merde. Je vais me lâcher, oui. D'accord, je peux pas méditer. Saleté. Ça fait plaisir. Thank you.
Décidément, avec moi, les gosses, ils font pas long feu. Hein. Encore ? À plus tard. En avant. Ralentissons l'allure. Faire avaler mon épée, mutant. Continue comme ça et je te fends le crâne en deux. Dégagez, hein. Honneur et patrie. Hein ? C'est quoi ce bordel ? Patrogne me dit quelque chose. Tout doux maintenant. Il y
Voilà, je suis arrivé à Novigrad et je m'arrête ici.